dans Shuyukh, elles appellent le mourid al-Sheikh, ça veut dire le maître et le disciple. On appelle le mourid, ça veut dire quelqu'un qui veut quelque chose. Mourid, ça vient d'un verbe arada, ça veut dire il veut quelque chose. Alors, le mourid qui veut quelque chose, il va chez Cheikh. Et quand il va chez Cheikh, il doit savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Mourid, lakin qu'est-ce qu'il veut? Il y a plusieurs composantes dans la personne humaine. Et tout est imbriqué. Il y a l'ego, il y a le nafs, il y a le roh, il y a le corps, il y a beaucoup de choses. Parce que la constitution de l'homme, elle est extraordinaire, elle est formidable. L'homme est fait d'argile souillée, sale, et de roh qui vient d'Allah, une lumière divine, et de ce corps souillé, hamain, masnoun, qui pue en plus. Comment ce corps, il peut héberger cet esprit, cette lumière? Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Ruh ou le jasad. Et ce mariage extraordinaire et impossible en même temps crée cet homme qui est très compliqué et qui a plusieurs composantes en fonction de ce mariage. Parce que comme tout mariage, des fois il y a entente à 5%, à 10%, compréhension 20%, 50%. Aucun mariage n'est comme un autre mariage. C'est pareil, le mariage de l'esprit et du corps. Il y a différents degrés d'entente et de compréhension. Et c'est en fonction de ce degré que ça crée autant de personnes différentes. Ruh, l'esprit, il ne veut qu'une chose. Il n'a qu'une seule demande, son origine, Allah. J'ai insufflé de lui, de mon esprit. Il ne trouve la paix, il ne demande et ne réclame qu'Allah, Ruh. Et le corps n'a qu'une seule demande, c'est son origine aussi. Alors comment cette Ruh qui veut là-haut, comment ils font pour cohabiter ensemble? Donc, c'est une entente impossible. Hein? C'est comme si un homme, un Marocain, épouse une Française. Lui, il veut vivre au Maroc et il veut vivre en France. Ne disons pas s'il vient du pôle sud, elle du pôle nord. Elle n'a qu'une demande, c'est vivre au pôle nord. Et lui, il n'a qu'une demande, c'est vivre au pôle sud. Comment il peut faire pour cohabiter? Ça donne la complexité et l'extraordinaire création qui est l'homme. D'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu créer l'homme, il en a fait un événement. La ilaha illallah. Il en a fait un événement, il a appelé les anges. Il leur a dit, je vais créer une créature, l'homme, et qui sera mon calife. Mon représentant sur terre. Ça n'a aucun sens. Là, il est un astaghfirullah pour ce que je... Même les malaïkas, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas admis, ils n'ont pas compris, c'est pas accepté. Ils ne peuvent pas s'opposer à la volonté divine, mais ils ne comprennent pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais créer l'homme qui va me représenter sur cette terre. Et tu sais, quand un roi nomme un représentant, ça veut dire qu'il est incapable de tout gérer, donc il délègue. Donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je vais déléguer quelqu'un pour la terre. Et ce quelqu'un, c'est l'homme.
pour les anges, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc ils ont eu raison de dire, eh Allah, pourquoi? Et en plus, l'homme, parce qu'ils connaissent ce que ça veut dire l'homme, ça veut dire qu'ils ont eu un savoir, ils ont une science, ils ont appris dans leur science ce que c'est que l'homme. C'est une créature qui tue, qui dit non à Allah. C'est une créature qui peut dire à Allah non. Et les anges, ils ne comprennent pas que quelqu'un puisse dire à Allah non. Qui va diffuser le sang sur la terre. Alors Allah, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire? Pourquoi tu vas créer cet homme? Donc cette création, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait un événement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit que je vais créer l'homme, et quand je vais le créer et je vais insuffler en lui de mon esprit, vous vous prosternez devant lui. Dans ces dimensions, on ne comprend rien. Nous, on est en train de parler maintenant. On vit dans notre petit monde. Mais on sait pas ce que c'est que là-haut. Ce que c'est que Allah, ce que c'est sa création, qu'est-ce que c'est que les anges, qu'est-ce qu'ils font. Rasulullah, il dit, c'est-à-dire le ciel commence à claquer. Tu sais que quand un plancher claque sous un poids, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit, le ciel il commence à claquer. Et il doit claquer. Il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas un centimètre dans la création où il n'y a pas un ange qui est prosterné pour Allah. Au milieu de tous ces adorateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. L'homme, cette création extraordinaire. Donc, la complexité de l'homme et les différents degrés d'entente, c'est une entente forcée. Forcée. Et ça, on le vit tous les jours. Tous les jours, tu te dis, tu dis à toi-même, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, tu dois faire ça. Tout le temps, un conflit. Il veut pas. Ruh veut Allah. Il essaye on est devant un fait. On est ensemble, essayons de. Il n'y arrive pas. Et c'est ce qui crée cette perturbation, et c'est ce qui crée ce manque de confort qui est en fait un appel d'Allah. Quand les gens ils ressentent le mal de vivre, ou la dépression, ou l'anxiété, c'est un bon signe. Tout ça, c'est des cris d'alerte. Allah, on veut Allah. C'est pour ça que le nom d'Allah, quand quelqu'un le prononce, quelle que soit cette personne, musulmane, pas musulmane, quelle que soit, dis-lui seulement, dis Allah. Allah. Dès qu'il répète le nom Allah, il te dit, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si tu donnais à un assoiffé une goutte d'eau. Le nom d'Allah. Parce qu'il y a en toi quelque chose qui ne veut que Allah. Donc, en fonction de ton degré, et de l'état de ton mariage, tu as une demande. Par exemple, vous, ce groupe, vous êtes venu. Il est impossible que vous ayez la même demande ou que deux personnes d'entre vous aient la même demande. C'est impossible. Parce que vous n'êtes pas pareil. C'est pour ça que chouyoukh, ils disent que il y a autant de chouyoukh que de mourides. Il y a un cheikh et 1000 mourides, par exemple. Donc, il y a 1000 cheikhs. Parce que pour chaque personne, le cheikh veut dire quelque chose. Là, vous êtes venus, chacun a une demande. Même si vous me dites, on veut Allah.
Ça, vous le dites. Mais ce que tu veux vraiment, alors le mouride, il veut quelque chose. Alors ça dépend de ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Youssouf? Et en fonction de ce qu'on veut, on doit payer un prix. C'est la loi. Le monde est fait ainsi. Tu veux quelque chose, tu payes un prix. Est-ce que tu peux aller chez un marchand et lui prendre de la marchandise sans payer? Tu peux? Alors c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux et quel prix tu es prêt à payer? Combien tu payes, Omar? Il faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Il faut pas être hâtif et dire je veux Allah. Parce que quand tu dis je veux Allah, ça veut dire tu es prêt à payer combien? Hein? Hein? Il reste rien. Qu'est-ce que tu vas payer? Tu viens, tu dis je veux Allah. Tu te demandes combien tu payes. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Non? N'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Donc, tout bien. Là, voilà, on a grand-chose. On a roi. Tu donnes ton esprit, rouhak, ta vie. Même si ça lui appartient, ça ne vient pas de toi. Quand tu payes de quelque chose de ta poche, rouh, il vient de lui. Tu veux Allah, tu donnes à rouh, ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner sa vie? Non. Ne vous précipitez pas et ne dites pas oui. Faut être honnête avec soi-même. Donc, quand on dit mourir, il veut Allah. Pour ça que Shuyukh, radiyallahu anhum, chaque époque, les cheikhs, ils se comportent d'une certaine façon avec les mourides. Avant, quand quelqu'un vient chercher, il ne fait aucun effort. Avant, cher, il était chez lui, et celui qui veut quelque chose de cher, il va chercher. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je veux Allah. Et voilà, tu fais ça. 10 000 la ilaha illallah, 10 000 salat ala nabi par jour, tu fais ça pendant un an et tu reviens me voir. Tu veux pas, dégage. Ah, pas. Parce que tu viens chez lui, tu dis, je veux Allah. Et tu vas, tu bosses. Tu négliges ça, tu reviens chez Cheikh, tu dis, t'as pas fait ce que tu... Je demande, va-t'en. Il n'y a pas de place pour les non-sincères chez moi. Ça fait, va-t'en. Il te refoule. Donc, mais là, c'est différent. La femme de Sidi Cheikh, Sidi Cheikh Mohamed Amin Adon, lui a dit, Cheikh, il disait à son fils qui était Cheikh, lui a dit, tu as humilié la voie, Tariq. C'est toi qui vas chercher les gens, tu vas faire da'wah, tu cherches les mourides. Cheikh, c'est lui qui doit être recherché. Sayyidina l'imam Malik, il dit, la science, hein, est recherchée. Il ne cherche pas les gens. Pour avoir la science, il faut la chercher. Al-ilmu yu'ta yutlab. Enfin, ce cheikh lui a dit, ma mère, avant
les mourides, les malades. Ils pouvaient marcher, ils allaient chez le médecin. Mais maintenant, les malades, ils sont alités chez eux, donc on doit aller leur rendre visite pour les sauver. Donc, mourides, chouïouch, ils étaient comme ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, le cheikh, au lieu de donner le moyen d'avoir Allah, il doit passer beaucoup de temps à apprendre à cheikh à vouloir Allah. Il lui apprend à devenir mouride. Il vient, il croit qu'il est mouride, mais il n'est pas mouride. Donc, cheikh, il passe beaucoup de temps pour lui donner le titre de mouride. Parce que ne croyez pas qu'on est des mourides. On n'est pas des mourides. Sidna Cheikh Rajab radiallahu anh, il disait tout le temps, il le dit tout le temps, il le répète, il dit, ne dites pas mouride et cheikh, on est des frères. Et les gens, quand ils entendent ça, ils croient que c'est de la modestie de cheikh. Non, ce n'est pas de la modestie. Ce n'est pas de la modestie, c'est la réalité. Parce qu'ils ne voient pas de mouride. Donc, s'il dit de toi que tu es mouride et lui t'entend cheikh, ça a des obligations que tu ne peux pas satisfaire. Et le cheikh sera contre toi, parce que tu es un menteur. Donc, il te dit, on est des frères. Pour soulager, te soulager du poids du mouride. Pour te soulager du poids du mouride. Donc, cheikh, maintenant, il doit se donner beaucoup de temps pour faire des gens des mourides. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des mourides? Là. On n'a pas connu de mourides. On ne sait pas ce que c'est que mourides. Ou s'il y a un mouride parmi nous, peut-être qu'il va nous sauver. Hein, grâce à ce mourid. Pas de demandeur. Chacun vient chez Cheikh pour une demande. Et tout sauf Allah. Je suis en train de tracer un sombre tableau. Mais ce n'est pas un mal. D'être la voie pour être mouride aussi, c'est une voie. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala fadlillah. Le cheikh, quand il reçoit le mouride, il vient pour tout donner. Il y avait un cheikh au Maroc qui a entendu parler de Moulay Abdelkader Jilani à Bagdad. Alors, il a tout vendu, tous ses biens. Il a acheté de l'or avec. Il a tout pris. Il est allé chez Bagdad. Il a cherché Moulay Abdelkader Jilani. Quand il est arrivé chez Cheikh, il lui a donné tout son argent. Il lui a dit au Cheikh, je viens du Maroc. J'ai tout vendu, j'ai tout laissé. J'ai fait le trajet pour toi. Accepte-moi. Pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Accepte-moi. Accepte-moi. C'est parce que ça veut dire que quand Cheikh, il t'accepte. Cheikh, il t'accepte. Allah, inna Allah, Allah y'arrafna. Le Cheikh, accepte-moi. Pour nous, c'est grand. Et pour la personne qui a fait tout ce sacrifice, peut-être que c'est grand, qu'il voit que la chose est grande. Mais pour Cheikh Abdelkader Jilani, ce n'est pas la même vision. Il dit, mon fils, ce que tu as fait et ce que tu as sacrifié ne représente pas 1 sur 100 millions de ce que tu réclames, ce que tu veux.
Tu viens avec ça pour moi, pour m'avoir moi. Ça vaut rien ce que tu ramènes. Tu demandes cher et tu ramènes rien. Et quand on parle d'amour, d'amour, l'amour c'est tout donner. Son temps, sa vie, son attention, tout. L'amour, c'est tout donner. Hubbun. Hub. Ha. Harqun. Tu brûles tout. Harq, ça veut dire brûler. Tu brûles tout pour Allah. Baqa'un. Billah. Tu donnes tout. Après, tu vas connaître la vraie existence. C'est l'éternité par Allah et auprès d'Allah. Donc, quand on parle de mourir, de hub, c'est des notions, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on parle d'amour, on sait ce que c'est que l'amour. Là, on ne sait rien du tout. L'amour, pour nous, c'est un plaisir. Quand on dit amour, c'est plaisir. Le vrai amour, c'est la souffrance et l'humiliation. Ton bien-aimé t'humilie. Tu dis, je vais chez cher. Vous m'appelez cher. Je sais que c'est moi qui sais que je ne suis pas cher. Mais vous dites, vous êtes cher. Si vous êtes venu à la maison et je vous ai refoulé à la porte, dégagez, qu'est-ce que vous voulez? Allez hop. Vous avez fait le trajet de France, vous êtes venu à ma porte, je vous dis, dégagez de là, qu'est-ce que vous voulez? Et je lâche mes chiens. Qu'est-ce que vous allez faire? Hop. Sidna Cheikh Rajab, radiallahu anh, une fois il marchait, et puis il a vu du monde attroupé, des gens attroupés, avec un homme qui se faisait insulter et frapper par une femme. Lui, il était devant elle comme ça. Et elle était en train de lui cracher dessus, de le frapper, de l'insulter. Lui, il dit, oui, vas-y, insulte-moi. Insulte-moi. Et lui dit, je ne veux pas de toi. Va-t'en. Laisse-moi. Il dit, je ne te laisserai pas. Fais tout ce que tu veux. Il lui crachait dessus devant tout le monde. Et lui, il n'était pas là. À la fin, il a pris sa chaussure avec son talon. Aiguille, lui a donné un coup sur la tête. Tout de suite, le sang est là, giclé. Vous prenez le sang, lui dit oui, encore. Elle, quand tu l'as vu, sa réaction, quoi, son insistance et sa sincérité, lui a dit, ok, elle a viens avec moi. Et cher, quand il a vu la scène, il a pleuré. Il a dit, malgré tout ce qu'il a vécu, en fin de compte, il l'a eu. Parce qu'il est sincère. Et celui qui aime et ne souffre pas n'est pas amoureux. Ya man hubbuhu a'azzahu wa adhallani.
لكن لا إله إلا الله لكل حال، كل حال رجال. لا نطمع نحن أو أن الغيف parmi nous qu'il y ait un mourid. Dans le mourid au nos, l'histoire du mourid au nos, le cheikh qui avait un disciple et demi. Ça, c'est le cheikh Ahmed al-Rifa'i, radiallahu anhu. À Bagdad, il était devenu très très populaire. Et puis dans sa leçon, il y avait des milliers de personnes. Et puis les jaloux, ils sont allés chez le roi. Il lui a dit, ce cheikh, il devient dangereux. Avec tout ce monde et cette popularité, ça représente un risque pour ton royaume. À force de... Il a convoqué cheikh, le roi. Quand il a convoqué cheikh, il a dit, cheikh, qu'est-ce qui se passe? Ça devient dangereux, ta popularité, les gens autour de toi. Dis, quels gens? C'est des dizaines de milliers de personnes qui assistent à tes cours. Il a dit, non, je n'ai pas des dizaines de milliers de mourides. J'ai un mouride et demi. Il a dit, toute cette personne, c'est moi qui connais les gens. J'ai un mouride et demi. Il a dit, je vais t'en faire la preuve. Il a dit, retiens-moi chez toi. Lance une dépêche dans la presse comme quoi Cheikh il a été emprisonné par le roi pour ses activités. Et toute personne qui connaissait Cheikh ou qui cherche à contacter Cheikh ou qui était en lien avec Cheikh, on va l'emprisonner. Sinon, l'a tué. Tout le monde s'est caché. Le cheikh, il était avec le roi dans le balcon, il lui a dit, la moitié des mourides arrive, on va le voir. Le cheikh, il a son radar qui travaille. Ils sont sortis avec le roi, ils ont vu quelqu'un qui arrive comme ça, qui se rapproche du palais et puis qui recule. Il s'en va, puis il dit, je vais, il faut que je fasse quelque chose pour le cheikh. Il se rapproche, puis il recule. Et à la fin, il a dit, je confie Cheikh à Allah, il est parti. Le Cheikh, il a dit au roi, ça c'est la moitié des mourides. Ils ont attendu le lendemain, il lui a dit, aujourd'hui le mouride, il va venir. Alors ils sont sortis au balcon, regardez. Il est venu, c'était un bûcheron qui vient avec sa hache. Un bâton. Il est venu, il a frappé les gardiens, il a défoncé la porte et il rentre. Il a dit à tes soldats de ne pas le. Il est capable de te détruire ton château aujourd'hui. Alors, Cheikh, il l'a appelé, il lui a dit arrête, 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 arrête. Il dit ça, c'est le mourid. Et je te jure, si je ne l'arrête pas, elle est capable de te détruire ton château aujourd'hui. Ça, c'est un mouride. C'est un mouride qui n'existe plus par lui, mais qui existe par Allah. Et cette personne, personne ne peut l'arrêter. Ça, c'est le mouride. Adawa Cheikh Léandu Mouride. Onos. D'Allah. الشيوخ رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا الشيخ رجب حليم اللي تري ميزيريكورديو تري دو تري باسيون الفخير vient chez lui. Il y a des frères cheikh, il dit, il y a des frères qui sont chez moi depuis 50 ans, ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Et ce cheikh qui est patient avec une personne pendant 50 ans et qui ne bouge pas, et qui le laisse, et qui est patient avec lui, et il ne veut pas lui
Si tu as une personne à l'école qui passe 50 ans en CP, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Maintenant, ils te permettent même pas de redoubler deux, trois fois, allez hop. Le cheikh, il est là, patient, parce qu'il ne peut pas faire de mal. Il est incapable de faire le mal. Comment travailler l'amour? Il faut tout donner. Sayyida Rabi'a al-Adawiyya, radiyallahu anha. Une fois, elle marchait. C'est une femme sainte. Elle, en même temps, elle était une très belle femme. Elle marchait une fois dans la rue, quelqu'un la suivait. Alors, à un certain moment, elle s'est arrêtée. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et lui, il doit répondre, qu'est-ce qu'il veut? Tu viens chez Cheikh, qu'est-ce que tu veux? À certains moments, Cheikh, il doit te dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens chercher? Alors lui, il doit répondre, qu'est-ce que tu veux? Ça fait un bon moment que tu me suis, qu'est-ce que tu veux? Alors il lui a dit, tout mon moi était pris de tout en toi. C'est-à-dire, toute ma personne était prise de votre personne. C'est grand. C'est grand être tout, donner tout, et tout pour ton bien-aimé. De Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, il disait, Allahumma laka sajada wajhi. Oh Allah, pour toi se prosterner mon visage, mon os, mes cellules, mon sang, ma tête, tout. Tout se prosterner pour toi. Alors cet homme, il a dit à Sayyid Rabi' al-Adawiyya, tout mon moi était pris de tout en toi. Rabi' al-Adawiyya, c'est ce que c'est que l'amour. Et c'est ce que ça veut dire, ces paroles. Et d'après ces paroles, c'est un vrai amour, un grand amour. Mais on ne dit pas j'aime sans passer l'épreuve. Ne dis jamais à Cheikh, je t'aime. Un conseil. حبيبي وراسي وعيوني هذه خليها في بيروت ما دي جامي جتام و J'ai jamais dit à mon cher je t'aime. Tout ce que je savais dire, c'est oui, c'est dit. Oui, c'est dit. Et je trouvais que c'était très prétentieux. Oui, c'est dit, ça veut dire je suis d'accord avec tout ce que tu m'as dit. Et c'est prétentieux. Si je pouvais ne rien dire, je l'aurais fait. Il fallait bien que je bouge ma langue pour dire quelque chose devant cher. Alors, quand il a prononcé ces termes, il devait passer l'examen. Alors Sayyid Rabi' al-Adawiyya lui a dit, si tu m'aimes autant, alors tout mon moi est à toi. Si tu m'aimes autant, tout mon moi t'appartient.
Mais si tu voyais, là, il y a ma sœur, elle est plus belle que moi. Alors lui, il a fait. Elle cherchait la sœur la plus belle. Alors Saïd Arabi al-Adawiya. Donner un coup. Il l'a giflé, il lui a dit, oh menteur, si tu étais sincère dans notre amour, tu n'aurais jamais détourné le visage de nous. لو كنت صادقا في حبنا ما التفت لغيرنا. La ilaha illallah. On va pas continuer comme ça. On va se faire. On va se poser la barre très haute. Restons terre à terre. Alhamdulillah, c'est pour ça que le cheikh, il dit, on est des frères. On est des frères. C'est mieux comme ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à respecter les engagements d'un frère. Mais d'un cheikh, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ashab al-Nabi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi ils pensaient et quel était leur souci quotidien? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hayatum, leur vie, leurs soucis, leurs préoccupations, c'était Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois après une bataille, après Uhud, à la fin de la bataille, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez-y, demandez Saïd, il y a un compagnon qui s'appelait Saïd, demandez Saïd, est-ce qu'il est parmi les morts ou les vivants? Et dans le champ de bataille, il y avait plein de corps. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lui, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un état. Il était blessé, il avait les dents cassées, il avait la tête cassée. Et dans cet état, où tout le monde était occupé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cherchez, cherchez Saïd, voyez s'il est parmi les vivants ou les morts. Il y a quelque chose. Ce n'est pas normal que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de cet état, son attention soit attirée par Saïd. Allez chercher Saïd. Voyez s'il est parmi les morts. Alors ils sont allés chercher. Au milieu de tout ce corps, ils ont commencé à appeler. Saïd! 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 Personne ne répondait. Alors ils ont dit, Saïd, Rasulullah te réclame. Alors il a répondu. Au début, quand il a entendu Rasulullah, il a répondu. D'où est-ce que lui est venue la force? L'amour. Alors ils sont venus à lui. Il dit, Rasulullah, il a demandé après toi si tu étais parmi les morts ou les vivants. Il dit, non, je suis parmi les morts. Faites attention. Je vous avertis, si vous laissez un mal arriver à Mohammed, il y a encore du sang qui coule dans vos veines et que vous laissez un mal arriver à Mohammed. Si tu es là jeté dans le sable, blessé, en train d'agoniser, c'est à cause de Mohammed. C'est dans ta compréhension, dans ta logique. Mais pour lui, c'est le moment le plus merveilleux de sa vie. Et dans cet état, il pense à Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas qu'un mal lui arrive. Donnez tout.
pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, لكن ندعو اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. vivre sans amour, l'agib, l'extraordinaire dans l'amour, c'est que la souffrance de l'amour est un plaisir. La souffrance est un plaisir. La ilaha illallah. Quand le frère ou la sœur, la vie est faite d'opportunités. Inna fi ayami dahrikum la nafahat ala fata'arradu la. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la vie est faite d'opportunités. Il y a une opportunité qui arrive, t'en profites pas, elle s'en va. Là où tu sens Allah, tu ne veux pas, il y aura d'autres. On a connu Cheikh, il y a des frères qui ont connu Cheikh, 30 ans, 40 ans, 20 ans, 50 ans encore. Cheikh, rien, voilà. Et puis après Cheikh, il part et puis il est là, à se lamenter. Le Cheikh, on n'a rien fait avec Cheikh, on a porté Cheikh, c'était notre Cheikh, on a Cheikh, parce que Cheikh. En plus, il veut se rajouter une autre difficulté, c'est qui le khalif de Cheikh. Tu t'en es pas sorti avec Cheikh, tu veux te rajouter un autre témoin contre toi. Ça fait laisse. Les gars, c'est un rakmal. Il a quand ils sont l'odeur d'Allah, accroche-toi. Ou le qalb, le cœur, quand il sait où il est Allah, il ne ment pas. Il sait, il sent. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala te fait cette grâce et te fait sentir sa présence quelque part et que t'en profites pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Alhamdulillah. On est long pour vous. Il a une nanda. Awliya Allah radiallahu anhum. كلامهم أشعارهم هذا كأنه وحي كم إن ريفيلاسيون quand il parle de l'amour d'Allah, de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit que ce n'est pas des paroles terrestres. Sayyidina l'imam al-Busayri, sahib al-Burda, maghribi, marocain. Allah subhanahu wa ta'ala khalladu ila. On lit le Burda en Indonésie, en Malaisie, partout, tout le monde lit le Burda.
البرده، البرده والشفاء، القاضي عياد مراكش، البرده والشفاء يدرسون في العالم كله عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، سير لامور دو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont aimé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait des éternels. De là où tu vas, Amin tadakkuri jiranin biti salami. Bouhub, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hub, il fait de toi un éternel. Harqon wa baqa'un. Si tu brûles tout, tu deviens éternel. Tu veux le hub? Voilà. Dis-moi, c'est trop pour moi, ça. Le huwa le hub, faslam bil hasham, al hawa sahlo. La ilaha illallah. فما اختاره مضنا به ولو عقل بس مجانين اللي يحبهم هذا dans la culture arabe on parle beaucoup d'un amoureux qui s'appelle Qais. Il a aimé une femme qui s'appelle Leila. Il a écrit beaucoup de poèmes sur Leila. Et dans la culture arabe, on ne l'appelle pas l'amoureux de Leila. On l'appelle Majnou Leila, le fou de Leila. On ne l'appelle pas l'amoureux. Comment on l'appelle? Majnou Leila. L'amoureux, il est fou. Et les gens le traitent de fou. Et l'amoureux d'Allah, il est fou. Parce que quand on aime, on évoque. Quand on aime, on parle de son bien-aimé. Quand on aime, on appelle à son bien-aimé. Quand on aime, on pense à sa bien-aimée. Toute notre vie est meublée de son bien-aimé. Et quand on aime Allah, on devient fou. On se fait traiter de fou. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous traite l'amoureux de fou. Hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Udhkurullah hatta yaqulu majnoun. Évoquez Allah à tel point que les gens vous appellent fou. Parce que dès que tu sors du cadre instauré par la société, tu es un fou. Qu'Allah fasse de nous des fous d'Allah. De Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De Awliya Allah salihin, ya Rab. Mon conseil, udhkurillah. Voilà. Pour arriver à quelque chose de concret. Udhkurillah. Udhkurillah, udhkurillah. Que tu ressentes pas, que tu as du plaisir, que tu as envie ou j'ai pas envie. Udhkurillah. Tout le reste, c'est que des appréciations personnelles de ton ego. Udhkurillah. Qu'elle veut, les neuf stories, tu veux pas. Udhkurillah. Fid manchati wal makra. Que ça te fasse plaisir. Et je me s'assoit, il fait le dhikr, il dit, voilà, j'ai fait un bon dhikr aujourd'hui, j'étais bien. Un joint, ça fait du bien aussi. Il est là. Udhkurillah. Alors, on dit que ça va plus comme avant. Au début, quand j'avais commencé, je ressentais. Maintenant, ce qu'il y a d'avoir. Voilà, un enfant. Udhkurillah, tu es en train de peser le dhikr d'Allah avec tes états d'âme et tes états d'esprit. La hub ou la dhikr, ni amour, ni dhikr. C'est un bébé. Le cheikh,
Cheikh, quand il est avec il voit les frères, il voit leur état. C'est comme des bébés devant lui. Celui-là, il veut un bonbon, celui-là, il veut un. Et malgré ça, Cheikh, il est patient, il attend 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Il faut m'arrêter parce que Mawal Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakat al-Sohba mawjouda. La grâce de la compagnie, Alhamdulillah. Sallallahu tkun madmouna bi-idnillah, bi-damanat shuyukhna. Lakin on ne veut pas que la grâce de la compagnie. On veut des mourites. Tu penses à sauver ta peau? Ah. On veut des hommes qui pensent à sauver les autres. Et eux-mêmes, c'est le dernier des soucis, c'est leur personne. Le cheikh, il pense à lui. À aucun moment, cheikh ne pense à lui. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pense à lui. Ummati, ummati. Ma nation, ma communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Soyons des hommes. Alhamdulillah.